Alors, bonjour à tous. Donc nous voici en Estonie. Comme vous le constatez, je suis donc dans une ancienne base Union République Socialiste Soviétique, une base militaire aérienne. Il y a des bâtiments là-bas, il y en a, on en voit déjà deux. Bon, j'en ai fait un, je ne ferai pas les autres, c'est pas très intéressant. Et là, nous sommes sur la partie de l'abri des avions. Vous voyez, il s'est caché là pour pas qu'on les voit. Alors, ce qui est intéressant, on va les visiter, même si ça sera assez rapide. Mais au-delà de la partie abandonnée, d'avions militaires, ce qu'il n'y en a pas 50 000, il y a beaucoup de bunkers aussi. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, mais je vois qu'il y a des barbelés. Il y a des voitures. Alors, donc, j'imagine que ça doit être encore militaire, mais cette partie-là, elle est passée au travers de leur vigilance. Et à mon avis, ça doit même servir pour les paysans locaux maintenant. Comme quoi, l'armée mène à tout. Mais concrètement, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve exactement la même architecture qu'en Croatie. Et quand je dis en Croatie, on a les mêmes abris au sud-est, enfin au sud, carrément grand sud de la Croatie avec la Bosnie.
Antony, à 2 heures de bus au sud, de Tallinn, dans une ville qui s'appelle Aspak, en altitude, base soviétique, alors ex-URSS, pour une base donc aérienne. Il y a la piste qui est là, mais ça ne donne absolument rien. Tout ça est abandonné. Alors, pas tout exactement, parce que j'ai vu qu'il y a encore 2 ou 3 bunkers, si je peux dire, pour les avions, qui sont encore là. Voilà, après, il y a beaucoup de bâtiments qui ont été pillés, comme je dis toujours, méthodiquement. Donc, c'est pas très intéressant à voir. À bientôt.